On le vit encore maintenant, de ces heures-ci, avec des polémiques que je pense inutiles, hein, de savoir si une armoire a été déménagée en pleine nuit à Molenbeek. Ça concerne Salah Abdeslam. Mais oui, mais je trouve que ce n'est pas de nature, en tout cas certainement à rassurer le citoyen, parce que ça lui donne tout de même le sentiment que les services de la police fédérale, on imagine comme dans un mauvais feuilleton, deux policiers qui sont là en train de voir une armoire passer en se demandant ce que c'est. Mais donc ça veut dire que les politiques ont mal communiqué. Voilà, et je pense que ça c'est de la communication. Parce qu'après, on dit oui, mais c'est pas sûr, le parquet fédéral est obligé de s'exprimer, et donc ça part un petit peu dans tous les sens. Et ça, je pense que, très sincèrement, dans une période comme on a vécu, la population qui, à juste titre, est angoissée, il ne faut pas lui rajouter encore des couches supplémentaires, lui donnant le sentiment que l'enquête échappe, qu'il y a un dysfonctionnement généralisé dans nos services policiers, nos services d'appui. Un premier travail d'abord à faire, c'est de rappeler que nous sommes toujours au niveau 3, qu'il y a donc toujours des indications très claires d'une menace. Et la menace, elle est toujours la même, parce que vous y allusion à la manière dont on a communiqué. La communication, elle est très simple. C'est que la crainte, c'est toujours de voir une sorte de guérilla urbaine, c'est-à-dire à plusieurs endroits dans une ville, des opérations terroristes comme ce que l'on a connu à Paris. Pas se tromper, j'étais à Paris encore il y a quelques jours. La présence des forces de police et des forces militaires est très importante. Et on est à Paris, non pas dans la situation que l'on a ici, mais on est dans une situation d'état d'urgence prolongée pour 3 mois. Donc on est dans un autre monde en France par rapport à nous. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire il y a des mesures à prendre de protection parce que le niveau de la menace reste très élevé. Il reste aussi élevé qu'il y a 3 semaines, en fait. Mais on est au niveau 3, c'est exceptionnel. Simplement, on doit essayer de faire en sorte qu'à travers ce niveau 3, les mesures de protection soient prises. C'est pour cela qu'on a ajouté aux policiers des militaires dans les rues, mais que l'on puisse aussi reprendre une activité. On le fait d'ailleurs à travers tout ce qui est possible pour faire vivre une ville.